He was very strange, very different. He had no expression. I can't really explain. A blank look in his eyes, no response. It was like he was on some kind of mission of a very strange nature. You had a feeling about Rick, didn't you? Well, yeah. A very decided feeling that he was sick and dangerous. Sacramento, Californie, États-Unis d'Amérique. C'est un jour tout à fait ordinaire pour la famille Chase. C'est peut-être même un week-end puisque tous les membres de la famille sont à la maison ce jour-là. La petite Pamela, la cadette de la famille, joue avec ses petites Barbie. À côté d'elle se trouve son père, Richard Senior, qui lit le journal. Et quelques mètres plus loin, dans la cuisine, Béatrice, la mère de famille, prépare le repas du soir. Une seule personne manque à l'appel, Richard Junior, le fils aîné de la famille. Béatrice n'aime pas savoir son fils tout seul dehors. Elle aime bien garder un œil sur lui parce qu'elle le sait, il est étrange et surtout vraiment imprévisible. Mais bon, elle doit bien préparer le repas du soir, elle doit couper ses petites carottes, vérifier que sa viande cuit bien dans le four, donc elle fait des allers et retours dans la cuisine sans vraiment prêter attention à son fils qui joue devant la maison. Et c'est là, alors qu'elle a un petit peu la tête ailleurs, qu'elle entend un cri. Ce n'est pas un cri humain. En revanche, c'est un cri très animal, un cri très aigu. La mère de famille abandonne ses chiffons, elle court à l'extérieur de la maison, et là, elle tombe nez à nez avec son fils, qui a seulement 10 ans, et qui dans ses mains tient un animal. Un animal qu'il est en train d'achever. Richard Junior a tué tellement d'animaux dans le voisinage que même les voisins ont fini par le remarquer. Béatrice a les mains sur les hanches. Et là, elle se demande, mais qu'est-ce que cet enfant va devenir ? Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Mais d'abord, c'est quoi un VPN ? Un VPN est un logiciel qui vous permet de protéger vos appareils numériques en cryptant votre connexion et en masquant votre adresse IP. Pour ce faire, rien de plus simple. Je télécharge le logiciel, je l'ouvre et je choisis un serveur. Une fois que c'est fait, je suis protégée et je peux accéder au service de mon choix dans le pays de mon choix. Et ce qui est très séduisant avec CyberGhost VPN, ce sont toutes les possibilités au-delà même de la protection. Et j'ai cité, bien sûr, le déblocage de contenu géo-restreint. Vous l'entendez maintenant tout le temps, hein. Quand vous surfez sur Internet, votre adresse IP, c'est un peu comme votre carte d'identité, mais numérique. Ça signifie que certains sites web, certains sites de streaming, certains sites de jeux peuvent vous bloquer simplement en raison de votre géolocalisation. Autre exemple, les droits de diffusion sportive peuvent varier d'un pays à l'autre. Et imaginons que vous êtes super fan de Formule 1 belge. En changeant votre localisation avec CyberGhost VPN, vous pourrez vous connecter sur un serveur belge et donc accéder à la Formule 1. Avec un VPN, vous pouvez contourner toutes ces restrictions géographiques. CyberGhost VPN débloque 40 plateformes de streaming, Netflix, Hulu, Disney+. N'hésitez pas à aller checker le site de CyberGhost VPN pour voir toutes les plateformes, toutes les chaînes que le logiciel débloque. Ce que j'aime le plus, c'est que je peux protéger jusqu'à 7 appareils différents avec CyberGhost VPN. Donc je peux me protéger moi, mes nombreux appareils, mais aussi ceux de ma famille. Grâce au lien en barre d'infos, obtenez 83% de réduction sur votre abonnement à CyberGhost VPN. Soit un abonnement à 2,03€ par mois, et en plus de ça, 4 mois offerts. Foncez. Je remercie CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Petit saut dans le temps, nous sommes le 23 mai 1950 dans le comté de Santa Clara en Californie. C'est ce jour-là que le petit Richard Chase sort du ventre de sa mère. 4 ans plus tard vient sa petite sœur Pamela. A priori, il est tombé dans une bonne famille. Son père Richard Senior est informaticien et sa mère Béatrice est enseignante. Bah seulement a priori, hein. Les Chase, les parents, ont une relation très conflictuelle. Ils passent leur temps à se disputer. Toute cette colère, ils la reportaient énormément sur leurs enfants et particulièrement sur le petit Richard. Un jour, Pamela va même assister à une dispute très violente entre Richard et son père. Lors de cette confrontation, le père de famille a attrapé son fils et il l'a balancé contre un mur.
Nous sommes dans les années 60, donc vraiment tout au début des années 60. Richard a une dizaine d'années et il exhibe des comportements très violents. Il a des penchants pour la souffrance, pour la cruauté, c'est très bizarre. C'est à ce moment-là qu'il commence à tuer des animaux, particulièrement les chats du voisinage, des chats qui sont domestiqués et qui sont donc, j'imagine, plus faciles à attraper. On a tous eu un petit frère ou un cousin qui était un petit peu cruel quand il était enfant, qui marchait sur les vers de terre. Bon, ça fait partie de l'apprentissage humain aussi. Mais pour Richard, ses comportements violents se sont étendus au-delà de la phase de la petite enfance et même, vous allez le voir, au-delà de la phase de l'enfance. Et Béatrice est très inquiète pour son fils. Alors elle le force à se sociabiliser, elle veut absolument qu'il vive une vie normale, elle ne veut pas qu'il se renferme sur lui-même. Richard, lui aussi, aimerait dompter ses pensées sombres. Et c'est peut-être pour ça qu'il sombre dans la toxicomanie. Petit saut dans le temps jusqu'à 1968. Richard, parfois appelé Richie par ses camarades, est maintenant au lycée. Et contre toute attente, ça avait très mal commencé, hein, il est plutôt populaire. C'est un garçon pas mauvais à regarder, et forcément, les filles lui tournent un petit peu autour. Alors parmi toutes ces jeunes filles qui lui tournent autour, il en choisit une qui lui plaît vraiment. À l'adolescence, il y a souvent une compétition, surtout entre les garçons, j'imagine, une compétition pour savoir qui le fera en premier, quoi. Et ça y est, Richard est en couple, il aura certainement quelque chose à raconter à ses amis très bientôt. Un jour, cette jeune fille que nous appellerons Mary fait à Richard une proposition. Est-ce que ça te dirait de venir à la maison après les cours, comme ça on pourrait réviser ensemble? Et bien sûr, Richard accepte. Le soir même, le couple rentre chez Mary, ils font semblant de faire leurs devoirs, mais bon, ce n'est pas ce qui les intéresse le plus, hein. Ils n'arrêtent pas de se toucher. Voilà, ils sont l'un sur l'autre en permanence. Forcément, ce qui devait arriver finit par arriver. Enfin, pas tout à fait. Le problème, c'est que Richard n'arrive pas vraiment à relever le bâton. Et donc, forcément, il ne peut pas avoir une relation intime avec Mary qui est assise sur le lit, un peu frustrée. Mais dans sa tête, il est tout aussi gêné qu'elle. Il ne comprend pas ce qui se passe et il se dit que c'est peut-être le stress de la première fois, que la prochaine fois, ça ira mieux. Il réessaye une deuxième fois, une troisième fois, mais ça ne fonctionne toujours pas. En garçon responsable, Richard décide d'aller voir un médecin. Ce médecin l'examine un peu, mais surtout lui pose beaucoup de questions. Ben, si Richard avait envie de parler, il serait allé voir un psychologue. Alors, il ne comprend pas toutes ces questions que le médecin lui pose. Il l'a à peine touché, à peine examiné. Et dans sa tête d'adolescent, tout ce que veut Richard, c'est une pilule miracle pour enfin se sentir normal. Là, le médecin lui dit « Écoutez, jeune homme, le problème est psychologique. Vous avez beaucoup de colère réprimée. Il va falloir que vous travailliez là-dessus. » Il quitte le cabinet du médecin et il ne revient plus jamais le voir. Quelques temps plus tard, à l'école, en cours d'éducation sexuelle, Richard apprend que les érections sont causées par un flux de sang dans les parties génitales. Il fait donc un raccourci vraiment très étrange, hein, pour un garçon de son âge. Plus j'aurai de sang dans mon système, plus j'aurai de facilité à lever le bâton. Et c'est là, petit à petit, que Richard se remet à tuer des animaux, à boire leur sang, bien sûr dans le secret le plus total. Dans le même temps, le jeune homme continue à consommer de la marijuana. Le temps passe, Richard a beaucoup changé. C'était un beau garçon, plein d'avenir, assez intelligent, qui est devenue une loque en fait. À la fin du lycée, chacun de ses amis est parti faire des études, mais lui, rien. Alors forcément, ses parents en ont marre de le voir tous les jours à la maison. Finalement, Béatrice et Richard Senior se concertent. Est-ce qu'on ne devrait pas lui acheter un appartement? Est-ce qu'on ne devrait pas le loger et l'inciter à être plus responsable? On est un peu trop conciliant avec lui et il faut qu'on le jette dans la nature en fait pour qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. Ses parents lui offrent un appartement. Dans cet appartement, il ne sera pas seul. Il emménage avec quelques colocataires, des jeunes gens qu'il ne connaît absolument pas. Immédiatement après l'emménagement, tous les colocataires avaient quelque chose de négatif à dire sur Richie. Richie ne nettoie jamais derrière lui, Richie ne prend jamais de douche, Richie ne se brosse jamais les dents, c'est quelqu'un juste de dégueulasse quoi. Ses colocataires sont vraiment gênés par son manque d'hygiène mais aussi par son comportement. Un jour ils ont voulu faire une petite fête hein, à l'appartement, ils ont invité quelques amis et pendant toute la durée de cette soirée, Richard était allongé au sol en train de se tortiller dans tous les sens.
Ses colocataires en ont tellement marre qu'ils osent lui demander de quitter les lieux. Forcément, Richard refuse, alors ils décident respectivement de partir chacun de leur côté. Les parents de Richard n'ont pas les moyens de payer le loyer seul. S'il n'a pas de colocataire, il devra rentrer à la maison et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Nous sommes maintenant en 1975. Richard a 25 ans et malheureusement, la situation ne s'est pas du tout arrangée pour lui. Comparé aux photos prises 10 ans avant, c'est le jour et la nuit. Dans la tête de Richard, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il est devenu complètement hypochondriaque. Il croit que son sang se transforme en poudre. Il croit que les os de son crâne sont en train de percer à l'arrière de sa tête. Pour tenter de se soigner, Richard s'injecte du sang de lapin dans les veines. Mais il ne guérit absolument pas. Au contraire, il est à l'article de la mort. Cet événement, parmi tant d'autres, conduira à son internement. Enfin, en 1975, Richard Chase est enfermé, pour son propre bien, mais aussi pour le bien de ses concitoyens. Il devenait clairement dangereux. On lui diagnostique des délires somatiques, mais aussi une psychose intensifiée par sa toxicomanie. Quelques mois plus tard, Richard Chase s'échappe de cette institution. Pendant quelques temps, il réside chez sa mère, avant d'être envoyé dans une autre institution, le Beverly Manors. Au Beverly Manors, Richard raconte à qui veut l'entendre ses exploits, comment il a tordu le cou d'un oiseau pour pouvoir boire son sang, toutes les fois où il a tué des animaux domestiques dans son quartier. Le personnel, mais aussi les autres résidents du Beverly Manors, commencent à le surnommer Vampire. Voilà, c'est le vampire, c'est Dracula. Seulement quelques mois plus tard, Richard Chase est jugé apte à quitter Beverly Manor et il va vivre avec sa mère. Il réagit très bien aux médicaments et il n'y a plus aucune raison qu'il soit enfermé. Mais Béatrice est convaincue que son fils n'a pas besoin de traitement pour survivre. Elle décide de le sevrer, une décision qu'elle va finir par regretter. 3 août 1977, un agent de la police routière du Nevada trouve Richard Chase en train de transporter un seau plein de sang et d'organes. Après avoir déterminé que les organes appartenaient à une vache, les agents prennent la décision discutable de le laisser partir. Plus tôt cette année-là, Richard Chase avait sonné à la porte de sa mère et l'avait accueilli en lui jetant son chat mort au visage. Il avait ensuite jeté le chat par terre, s'était agenouillé, lui avait ouvert le ventre à main nue et avait enfoncé ses mains à l'intérieur de l'animal. Sa mère, qui avait assisté à l'incident, était rentrée calmement dans la maison et n'avait signalé l'incident à personne. Finalement, Richard décide à nouveau de vivre seul. Il emménage avec quelques amis, apparemment il avait des amis à l'époque, hein, mais très vite, en présence de ces personnes, de ces colocataires, il recommence à avoir des comportements très bizarres. Il se promène souvent nu dans l'appartement, son hygiène corporelle ne s'est absolument pas améliorée. Et puis, très souvent, il utilise le mixeur commun pour faire des petits mélanges horribles. C'est-à-dire qu'il récupère des organes d'animaux, qu'il mixe entre eux, et il boit cette concoction. Une fois de plus, les colocataires se réunissent avec Richard et lui disent « On t'aime bien ». Mais nous, on va partir, on peut plus vivre avec toi dans ces conditions-là. Mais cette fois, ses parents, qui, je l'imagine, ne voulaient absolument pas vivre avec lui, ont décidé de payer le loyer. Environ une fois par semaine, sa mère, Béatrice, fait quelques courses pour lui et lui apporte directement devant son appartement. Bizarrement, il ne l'autorise jamais à entrer. Richard néglige vraiment de plus en plus son hygiène, il a des ongles longs, pleins de crasse. Et aussi, il perd beaucoup de poids, au point d'atteindre les 63 kilos pour 1m80. J'ai entendu certaines théories selon lesquelles Richard Chase ne voulait pas se laver pour se protéger. Il utilisait sa crasse comme une sorte d'armure. Dans sa psychose intérieure, ça faisait sens. Nous sommes maintenant en décembre 1977 et il faut que vous imaginiez ce grand dadais qui devient fasciné par un tueur en série. En décembre 1977, Richard Chase commence à lire tous les articles de journaux à propos de Leeside Strangler. Leeside Strangler est un tueur en série, ou peut-être deux tueurs en série, qui ont sévi à Los Angeles d'octobre 1977 à février 1978. Richard est fasciné par ce tueur, et on a même l'impression qu'il aimerait bien reproduire ses actions. Alors un jour, il se présente à une armurerie, et il demande à acheter une arme à feu. Il a un modèle précis en tête, et il ressort avec cette arme.
Si j'étais un armurier et que je voyais un homme de ce type entrer dans ma boutique, j'hésiterais vraiment à lui vendre une arme à feu. C'est une question de bon sens, vous voyez ce que je veux dire. À quelques jours de Noël, Richard appelle sa mère et il lui dit « Écoute maman, j'ai pas du tout eu de nouvelles des plans pour Noël cette année, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je viens chez vous? Comment on s'organise ?» Et là la mère de Richard lui dit « Écoute mon fils, je t'aime bien, hein, mais je préférerais que tu restes à ton appartement pour Noël. » C'est le choc pour Richard Chase. Jusque-là, il a toujours été soutenu par ses parents. Certes, il n'a pas d'amis, certes, il n'a pas de petite copine, mais ses parents ont toujours été là pour lui à chaque fois qu'il avait des problèmes. Et là, il a l'impression que les seules personnes en qui il pouvait avoir confiance jusque-là décident de l'abandonner. C'est peut-être cet incident, cet abandon de Noël, qui a déclenché tous les événements qui suivront. Nous sommes 4 jours après Noël. Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans, vient certainement de passer de très belles fêtes de Noël avec sa femme et ses deux garçons. Tout va pour le mieux. Le 29 décembre est une journée tout à fait ordinaire. Madame Griffin est allée faire des courses en voiture. Alors en arrivant devant la maison, elle appelle son mari pour qu'il puisse l'aider à transporter les courses jusqu'à la cuisine. Alors que Ambrose se trouve à l'extérieur de la maison en train d'attraper un paquet de courses dans le coffre de la voiture, une voiture s'arrête à sa hauteur. Le conducteur baisse la vitre, il dégaine une arme à feu et il tire à 2 reprises sur Ambrose Griffin. Ambrose s'effondre sur le sol. Sa femme, qui a entendu les coups, arrive en courant, mais à cet instant-là, elle ne voit pas vraiment de sang couler. Elle imagine que son mari a peut-être fait une crise cardiaque. Mais ce n'est pas le cas. Ambrose Griffin vient d'être abattu par une carabine de calibre 22, la même arme à feu qu'a acheté Richard Chase quelques jours plus tôt. Nous sommes quelques semaines plus tard, au début de l'année 1978. Et là, Richard Chase commence à pénétrer dans les maisons de ses voisins. Il trouve ça vraiment, vraiment satisfaisant, jouissif de pouvoir explorer les domiciles de ses voisins sans qu'ils ne le sachent. Un jour, il entre dans la maison d'un jeune couple. Il se promène un petit peu, il repère quelques objets de valeur que, bien sûr, il met dans ses poches. Pour s'amuser un petit peu, il urine dans un tiroir. Et dans la chambre du bébé, il décide de déféquer sur le lit de l'enfant. Il s'amuse comme un fou. Mais il ne s'attendait pas à une chose, que le mari rentre du travail si tôt. Il est tellement énervé, mais aussi forcément surpris et inquiet, qu'il commence à charger Richard. Il veut essayer de le maîtriser, mais Richard s'enfuit par la fenêtre par laquelle il est entré. C'est un matin de semaine et donc David Wallin doit aller travailler. C'est vraiment avec beaucoup de regrets qu'il laisse sa femme Teresa à la maison. À 22 ans, Teresa est enceinte de leur premier enfant. Alors il lui dit « Terry, prends bien soin de toi aujourd'hui, ok? Je veux te retrouver en pleine forme ce soir, donc ménage-toi. » Il lui fait un petit bisou et puis il part pour le travail. Une fois David parti, Teresa décide de vaquer à ses occupations, elle fait un peu de ménage, elle aime bien que tout soit propre à la maison, et puis elle réalise que la poubelle est pleine, alors pourquoi pas la jeter maintenant. Teresa sort de la maison pour aller jusqu'à la petite benne à ordures qui se trouve à quelques mètres seulement. Elle laisse sa porte ouverte. C'est à ce moment-là qu'un individu, Richard Chase, s'introduit à l'intérieur. Quand elle entre dans sa maison, elle est choquée de faire face à cet homme qui a l'air terrifiant. Mais elle n'a pas le temps de réagir. Richard appuie 3 fois sur la détente. Terry reçoit 1 balle dans la main et 2 balles dans la tête. Richard va abuser du cadavre de Terry. Il va ensuite ouvrir le cadavre et le vider de tous ses organes internes. Il recueille un maximum de sang dans un seau, sang qu'il va verser dans la baignoire, et il va prendre un bain de sang. Il va ensuite trancher un mamelon de Teresa, recueillir du sang dans une sorte de petit pot de yaourt, et boire ce sang. Ensuite, Richard sort dans la cour. Il tombe sur des excréments de chien. Alors ce que Richard décide de faire, c'est d'attraper ces excréments et de les forcer dans la gorge du cadavre de Teresa. Ce jour-là, David Wallin, le mari de Teresa, doit faire un voyage de 400 km aller-retour.
Tout s'est plutôt bien passé et il pensait même rentrer dans l'après-midi. Malheureusement, il est tombé en panne à environ 50 km de Sacramento. Vraiment pas de bol, vraiment pas de chance. Juste après 18h, David arrive enfin chez lui. Bizarrement, leur chien se trouve à l'extérieur de la maison, alors il se dit « Oh !» Bon, Teresa, elle a peut-être été un petit peu distraite, elle a oublié de rentrer le chien. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il n'y ait aucune lumière allumée dans la maison. La radio est allumée. Encore une fois, c'est bizarre. David repère des taches sombres sur la moquette. Alors il pense à de l'huile, il ne sait pas ce que ça peut être d'autre. Et forcément, il commence à appeler Teresa. Teresa, où est-ce que tu es? Je suis rentrée. Où est-ce que tu es? Il imagine peut-être même qu'elle est en train de lui faire une blague. David suit ces petites taches d'huile là jusqu'à la chambre à coucher. Et c'est là qu'il tombe sur le corps de Teresa. Dans une interview, il a expliqué que, à ce moment-là, il avait poussé un cri si terrifiant qu'il ne se reconnaissait même pas. Un cri si violent que les voisins avaient accouru pour venir voir ce qui se passait. Nous sommes le 27 janvier 1978. Seulement quelques semaines après que Richard Chase ait commencé sa folie meurtrière. Evelyn Mirott est en train de se détendre dans son bain. Elle profite de la venue de son voisin, Dan Meredith, pour pouvoir prendre un petit bain, se détendre un peu. Ce jour-là, elle garde son neveu de 22 mois, David, mais aussi son fils, Jason, qui a seulement 6 ans. Alors, un petit garçon et un bébé, ça fait forcément beaucoup de travail. Alors qu'elle se détend dans ce bain, elle entend des bruits. Des coups. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Dans le salon, Dan Meredith vient d'être abattu d'une balle dans la tête. Dan meurt sur le coup sous les yeux du petit Jason. Jason est tellement terrifié qu'il court jusqu'à la chambre de sa mère. Il ne sait même pas où elle se trouve. Il veut simplement essayer d'échapper au regard du tueur. Richard Chase court après l'enfant et il lui tire une balle dans la tête. Cette balle atteint aussi le petit David, qui était en train de dormir sur le lit. Evelyn entend des cris, des hurlements, des bruits de bousculade. Alors elle est recroquevillée dans son bain, elle est nue, elle est vulnérable, c'est vraiment la pire position dans laquelle être quand un intrus pénètre dans notre domicile. Elle comprend immédiatement que quelque chose de terrible s'est passé et elle entend les pas de cette personne qui se rapproche de l'endroit où elle se trouve, la salle de bain. Imaginez l'état dans lequel elle peut se trouver. Soudain, la porte de la salle de bain s'ouvre. Evelyn Mirott reçoit, elle aussi, une balle dans la tête. C'est la partie qui va être la plus terrible, ok? Vous l'avez compris, il va abuser de son cadavre. Il va ensuite poignarder l'anus de... C'est dur! Il va ensuite poignarder l'anus d'Evelyn. Et puis il va placer un seau pour recueillir un maximum de sang qu'il va ensuite boire. Maintenant que c'est fait, il ne s'intéresse plus au corps d'Evelyn. Je ne sais pas pourquoi. Il va immédiatement s'intéresser au corps du petit bébé David. Richard Chase ouvre le crâne de l'enfant dans la baignoire. Là, il consomme une partie de son cerveau. Il serait allé plus loin si seulement des coups à la porte ne l'avaient pas interrompu. Il attrape le corps du petit David et il s'enfuit immédiatement de la maison. C'est là qu'il tombe nez à nez avec la personne qui toquait à la porte. C'était une fillette qui avait l'habitude de jouer avec le petit Jason. En voyant cet homme couvert de sang avec un paquet ensanglanté, la fillette est terrifiée. Et forcément, elle court jusqu'à chez elle et elle explique tout à ses parents. « Maman, papa, j'ai vu un monsieur trop bizarre qui sortait de la maison des Mirroth. Vraiment, c'est trop bizarre, est-ce qu'on peut appeler la police ?» Pendant ce temps-là, Richard Chase est rentré à son domicile. Il peut faire ce qu'il veut du corps du bébé. Alors il va couper les parties génitales de l'enfant, utiliser cet orifice comme une paille pour pouvoir boire le sang qui en découle. Ensuite, Richard va utiliser les organes internes de l'enfant pour faire un smoothie. Et dès qu'il aura fini, il va se débarrasser du corps dans une église voisine. C'est la première fois que j'ai vraiment du mal à raconter une histoire. Je peux vous le dire, c'est terrible. Après le meurtre de Teresa Wallin, des agents du FBI se saisissent de l'enquête. Hein. Ils dressent un profil du tueur, un homme grand, mal rasé, avec un grand manque d'hygiène apparent, hein, et puis surtout très solitaire. Nancy Holden, une lycéenne, tombe sur ce profil, parce que forcément il est diffusé partout. Et justement, elle se rappelle de cet homme qui l'avait abordé, qui lui avait demandé si elle voulait être raccompagnée chez elle. Bien sûr, elle avait dit non parce qu'il avait l'air terrifiant. 5 jours après la tuerie, Nancy va voir la police et elle leur dit
Écoutez, j'ai peut-être une piste. J'ai été abordée par un homme qui correspond vraiment à votre description, au profil que vous avez établi. Je pense que je peux vous aider. La police vérifie les antécédents de Richard Chase. C'est comme ça qu'il découvre qu'il a enregistré un pistolet semi-automatique de calibre 22. Les inspecteurs se rendent jusqu'à l'appartement de Richard Chase et demandent à lui parler. Ils toquent à la porte, mais Richard ne veut pas ouvrir, il ne veut pas leur parler. C'est super suspect, hein ? On est d'accord. Ils jouent le jeu et ils lui disent « Ok, pas de problème, il n'y a pas de souci. » Ils vont se cacher dans les couloirs tout autour de l'appartement et ils attendent juste qu'ils sortent. Et ils n'ont pas à attendre bien longtemps puisque Richard Chase quitte son appartement avec un petit paquet ensanglanté dans les mains. Quand les policiers entrent dans l'appartement, ils sont dépités. Ils pensaient avoir vu beaucoup de choses. En un mot, ça pue. Ça ressemble à une tanière d'animal. Les murs, le sol sont imbibés de sang. Sur le comptoir, ils trouvent même un mixeur encore plein d'une matière rouge visqueuse et qui sent extrêmement mauvais. C'est le mixeur que Richard Chase utilisait pour préparer ses smoothies. À l'intérieur du réfrigérateur, la police trouve des morceaux de cadavres d'animaux, mais aussi des morceaux des corps des victimes de Richard Chase. Lors de son interrogatoire auprès du FBI, Richard Chase délire complètement. Richard Chase a expliqué qu'il était juif et qu'il était persécuté par les nazis parce qu'il avait une étoile de David sur le front, ce qui était complètement faux. Il a expliqué que les nazis étaient en contact avec des ovnis et qu'ils en avaient tous après lui. 8 mai 1979. Un jury a déclaré Richard Chase coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La défense a demandé une audience de clémence. Il voulait faire jouer la santé mentale de Richard Chase en expliquant qu'il avait des problèmes de santé mentaux, qu'il avait poussé à commettre ses actes. Mais un juge a déclaré que Richard Chase jouait la comédie, qu'il n'était pas réellement fou. Quand il est arrivé en prison, Richard Chase est devenu un paria. Certains détenus le détestaient, mais tous, sans exception, étaient terrifiés par lui. Tellement terrifiés qu'ils n'osaient pas l'approcher d'assez près pour le tuer. Alors pendant des mois, ils ont essayé de le pousser au suicide. Le 26 décembre 1980, un gardien a retrouvé Richard Chase allongé sur son lit dans une position un petit peu bizarre. Quand il s'est approché de lui, il a réalisé qu'il ne respirait plus. Richard Chase était mort. L'autopsie a pu déterminer que le jeune homme s'était suicidé par une overdose d'antidépresseurs. Ce traitement lui était prescrit par le médecin de la prison. Mais au lieu de prendre son traitement au quotidien, il économisait les plaquettes pour pouvoir se tuer. J'ai une grosse pensée pour les victimes et particulièrement pour Jason qui avait seulement 6 ans, mais aussi pour son cousin David qui avait seulement 22 ans. Deux leçons à tirer de cette vidéo, s'il vous plaît, fermez bien vos portes à double tour, mais aussi protégez vos appareils numériques grâce à CyberGhost VPN. N'oubliez pas, grâce au lien en barre d'infos, vous pourrez bénéficier d'une réduction spectaculaire sur votre abonnement à CyberGhost VPN. 83% de réduction, soit un abonnement à 2,03€ par mois. En plus de ça, vous bénéficierez de 4 mois offerts. Qu'est-ce que vous attendez ? Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me permettre de parler de sujets difficiles, mais je crois aussi importants. Quant à moi, je vous laisse ici. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.